J'espère que vous allez bien. Bon, ça va nickel, 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 nickel. Alors oui, j'ai changé de décor. Si vous ne le savez pas, en fait, j'ai donc fait des magasins hier. Et du coup, bah aujourd'hui, je vous retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, je me fais une couleur. What? La marque, c'est L'Oréal Paris. Je vais pas vous faire le détail du produit, mais je vais juste vous ouvrir pour que vous voyez le packaging. C'est une couleur fixe. C'est pas une couleur qui dure 3 shampoings, 5 shampoings ou alors juste une coloration de 2 jours. C'est vraiment une couleur fixe. Et bah du coup j'ai trop hâte. Ça faisait pas mal de temps que je demandais si on pouvait faire un tie and dye comme ça. Et je dois pas l'avoir. Donc ça c'est le colorista couleur ombré. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un ombré, c'est un peu comme un tie and dye mais moins droit en fait, plus réaliste. Et du coup en fait là on voit la différence. Bon je vais pas vous montrer très bien dans le détail. Voilà, donc on va passer à l'intérieur. Alors tout d'abord on a les notifications. La notice, pardon. Donc je vais pas la lire parce que j'ai extrêmement la flemme. Mais quand je ferai la couleur, évidemment, je la lirai. Enfin, pas moi, mais ma mère. Voilà, il y a ça. Donc après, on a une brosse. Avec. En fait, il y a des numéros. Et je pense qu'il y a des. Parce qu'il y a numéro 1, numéro 4. Je vais pas vous dire exactement ce que c'est. C'est le numéro 2. Mais oui, mais je crois que c'est en fonction des numéros. Et en fait, c'est d'abord les produits que tu appliques, etc. Et après, ça... Ah, c'est ça la coloration. Donc ça, ça doit être la coloration. Bon, bah alors, on va pouvoir se colorer les cheveux. Let's go! Donc là, on commence par le premier produit, qui est une poudre décoloratrice. Donc le 2, c'est une crème révélatrice et avec un embout applicateur. Et le numéro 3, c'est une crème éclaircissante. Le numéro 4, c'est un shampoing sublimateur. Donc dedans, on a des gants. Puis une petite brosse pour appliquer la couleur. Se laver les cheveux. Et c'est parti! Avec les cheveux comme ça, c'est plutôt sympa. Moi je trouve que ça donne un aspect assez rouquin, voilà, vous voyez. Du coup bah, je suis un bon bébé. Non mais j'aime plutôt bien la couleur et je m'attendais à ce que ça fasse plus blond, mais en fait c'est plus discret. Mais bien évidemment ce n'est pas la même photo que sur les kits, hein. Moi ma photo elle ressemblera à rien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker comme d'habitude. Donc je vous recommande cette coloration si vous le voulez. Puis voilà, vous pouvez donc vous abonner. Faites vraiment ce que vous voulez. Dislikez si ça vous fait plaisir. Likez, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Donnez vos idées de vidéos en commentaire. Et bye!